Bonsoir le live. Alors. Bon, je vais pas réussir à trouver mon live tout de suite. Mais bonsoir Lou. Ah là là, on va pouvoir voir le nouveau tiers. Bon, pour le moment, je n'arrive pas à trouver mon live. Pouf. Pouf, voilà. Ah, ça y est, j'ai trouvé mon live. Mon Dieu, je vais me recacher dans ce casier pour la 152e fois. Et je vais quand même me faire attraper comme les 151 autres fois. La nouvelle map, le nouveau tueur, la nouvelle survivante. Bref, lançons-nous. On parle de pédo et de fesses? Pas tout de suite. Pas tout de suite, Xerxes. Plus tard dans la soirée. Salaud de Scorp! Alors, Scorp, je tiens à dire que d'abord je vais essayer le nouveau tueur une fois. Donc, tu peux rester mute un tout petit peu. Le temps que je fasse la première partie avec le tueur, histoire de le découvrir. Oh. Ils l'ont appelé la silhouette alors qu'il s'appelle Michael Myers. Oh mon Dieu, la musique! Ah, ça va être très plaisant, ça. Bonjour, bonsoir. Et si depuis que tu m'as déplacé, tu m'as parlé, alors je ne t'entendais pas parce que je n'avais pas Ouais. les écouteurs. Alors, en fait, je t'ai juste dit que j'allais d'abord faire une partie avec le tueur pour l'essayer. Oui, Et que d'accord. après. Tu l'as lancé? Ouais. Attends, C'est bon, tu l'as lancé? je resélectionne le. Non, bientôt. Mais. Ah non, bah alors attends-moi, on va la lancer en même temps. D'accord, tu vas jouer le tueur aussi? Attends, il faut que je resélectionne le perso parce que ça faisait la musique de Ah oui. Halloween et tout, il Non, faut. mais c'est ça, je sais pas si t'avais vu mon message, mais c'est ça que je voulais te dire. C'est excellent. La musique d'Halloween, quoi. Oh mon Dieu! Dommage qu'il laisse que C'est le début. excellent. Il devrait la laisser tout le Moi, long, j'aurais aimé quoi. que ça reste. Moi, à chaque fois, enfin, dès que le tueur apparaît, il faudrait qu'elle soit la musique. Parce que c'est génial. Je déteste ce genre de film. Hein. Je n'ai jamais vu un film Halloween. Alors attends, mon jeu vient de planter ou ça se passe comment là? Il veut pas que je joue le tueur, c'est ça? Laisse-moi créer mon Ouais, non, c'est lobby! excellent. Oh, ça y est, la musique. Moi, pendant ce temps-là, je mange en même temps. Oh, une main ensanglantée sur son épaule gauche. Ils ont le sens du détail, hein. C'est quoi l'histoire de la main ensanglantée sur son épaule gauche? Oh bah écoute, un tueur sanguignolant, je Vas-y. pense que de toute façon il n'y a pas besoin d'explication, hein, voilà. Il y a toujours, à chaque fois qu'il y a un truc sur un tueur dans un film, il y a toujours un lien. Bah le fait que ses victimes, il aime bien jouer un peu avec. Mais c'est pas sa famille. Ses premières victimes, si. Mais il est enfant à cette époque-là. Il zigouille Ah son père putain. et sa sœur. Donc en fait, il y a plusieurs films Halloween. Il y a eu un remake. Mais ça veut dire que le premier, Bah, il est gamin. Xerxes, c'est le tueur du film Halloween. Il est pas palpable, qui dit. C'est un masque hein, qu'il a, regarde, il y a la petite fente sur la droite. À l'arrière de son crâne, il y a la fente du masque.
Donc Doc, t'es dans un lobby là? Ouais, mais je trouve pas de survivants. Moi non plus. Allez, quoi, venez les enfants. Né, on va jouer. En tout cas, en termes de respiration, il me fait moins flipper que l'infirmière. Bon, bah visiblement pour les lobbies, c'est pas ça. Je vais couper la musique et je vais mettre la mienne, hein, vu que de toute façon c'est le thème principal de DBD, on rate pas grand-chose, on le connaît tous J'ai par cœur. écouté, j'ai lu toutes les Non, informations on va mettre concernant le celle-là. tueur et concernant le nouveau perso. C'est à moitié pété son attaque secondaire. De ce que j'ai vu. Écoute, nous verrons bien. Oh mon Dieu, un survivant! Hey, moi j'en ai pas. On est d'accord, c'est excellent les films d'horreur. Putain, il s'est cassé quoi! Je cherchais un survivant qui se pointe, puis. Non, tout compte fait. No cost. Attends, je vais recréer mon lobby, parce que visiblement il y a un souci pour me rejoindre. Je vais faire pareil. Et moi, ça prend du temps pour lancer un lobby de base. Exercice, je le savais. Alors, je vais te dire un truc, hein. Depuis tout à l'heure, j'entends le chant d'une femme en fond. Je me suis dit, putain, mais il rajoute ça en plus quand Mais t'es dans le non, t'as tueur. laissé Roll20 ouvert. J'ai laissé Roll20 ouvert. C'était une Claudette Payette. Mais oui, c'était une Claudette Payette en plus. Sinon, je me suis fait chier pour ma maison, j'espère qu'elle est pas mal, hein. Attends, je vais demander un truc à Tanou. Parce que sinon, au pire, on peut essayer le tueur en privé. C'est pas qu'on trouve pas. Non. Il doit y avoir tellement de mecs qui testent le tueur et tellement passé devant Ouais, qu'on c'est peut pas ça. aller partout. Il y a tout le monde qui joue tueur, en fait. Ah d'accord, Tanou est marqué EOE maintenant. C'est pratique. On va voir avec Arte du coup. Alors, est-ce que Artegon va aussi me foutre un vent? Ah, j'ai deux joueurs moi. Moi, j'en ai pas un seul, putain. Bonsoir, la merguez! Putain, Artegon aussi, il me fout un vent. Ah, un survivant. Me les pique pas, commence pas avant moi, je vais te péter la gueule, j'ai eu des survivants avant. Deux survivants. Oh, la Claudette Payette, elle est de retour. Putain, elle s'est recassée, la Claudette. Elle est casse-couille. Par contre, je comprends pas pourquoi ils l'ont appelé la silhouette alors qu'il s'appelle Michael Myers. C'est je. Oh, une Néa.
Un Dwight. Encore un, allez. Je suis full. Bah moi j'aimerais bien être full. Allez, on va remettre... Putain, il y a le Dwight qui s'est barré. Ça fait 15 minutes qu'il attend une partie en tant que tueur. Oh, un Jake. Oh oui, une clonette, ça y est. Je vais peut-être réussir à lancer une partie en tant que Michael Myers. Ça valide, merde. Ça commence à valider. Y'en a... Non, il y en a un qui est parti, moi. Allez, valide, valide le dernier. Allez, je veux vous découper avec mon couteau de cuisine. Couteau de cuisine, couteau de salle à manger. Oh yes, il a validé. Oh. Allez, j'ai envie d'essayer mon tueur là. Attends, t'es dans le chargement là de partie? Oui. Connard. Ouais, non, et Tanou et Arte m'ont bien foutu un gros vent dans la tronche. Je peux manger couscous. Eh bien. Xerxes, bon appétit. Putain, Xerxes. Bonne partie à toi, mon cher Doc. Ouais. Oh putain, il est flippant. Bon, c'est dommage, j'ai la Halloween Farm, mais on peut pas tout avoir et avoir été. Oh, si je te baise et que j'ai la map qu'il faut, je serais heureux par contre. Traqué. Oh, un nouveau truc, brochure du festival de la moisson. Oh putain, une seule offrande, et cette offrande, c'est pour demander d'aller dans la nouvelle map. Ça, c'est pas beau, Doc. Je sens que moi, je vais découvrir la nouvelle map bien avant. Cette musique. T'as une musique avec le tueur? Oh mais clairement. Elle est cool. Elle est tellement oppressante, putain. Oh, cette musique d'ambiance est absolument horrible. Par contre, il est d'une lenteur. Enfin, c'est Michael Myers de l'autre côté, mais il est d'une lenteur. Avec l'attaque secondaire, il est 10 fois plus lent. Tu as vu un peu où passe sa deuxième attaque? Je peux t'expliquer si tu veux. Apparemment, tu t'en branles. Et moi, non, en fait, ouais, je suis en train d'essayer de... En fait, le premier niveau, t'es vachement lent, mais t'as un super sens de déduction. Venez les enfants! Oh mec, il y a un moteur dans une maison. Il est juste horrible à faire. Bah tu sais quoi, je ne te spoilerai en aucun cas ce que je vois depuis tout à l'heure. Mais cette map est géniale. Bah en fait, je suis en train de suivre un blessé, c'est compliqué quand tu parles en même temps. Bon bah je l'ai perdu. Moi je trouve personne à chaque fois, ça me saoule. Je sais pas ce que ça fait de traquer en fait.
Putain, c'est super spécial à jouer comme tueur. Hein. Oh putain, cette musique, quand tu poursuis. Je comprends pas trop comment. De quoi? Comment Pour fonctionne l'attaque son sourire? secondaire. Parce que Moi j'essaye je de te le dis, faire fonctionner depuis tout à l'heure, mais. En fait, il faut que tu vois un des survivants. Ouais, bah ça c'est ce que j'essaye, ouais, en le voyant. Et donc. Et en fait, tu le regardes en utilisant l'attaque secondaire, ça la charge. Une fois qu'elle est au maximum, tu es en phase numéro 2. Putain, la pute, elle est où? Bah elle charge pas moi. Où tu les regardes. Mais c'est ce que j'ai fait. Mais ça a pas l'air de charger du tout. Ah mais t'es là toi. Reviens là salope. On veut pas que je te retrouve. Non, je comprends pas. Bonsoir Salt. Donc tu restes appuyé hein, pour commencer. Bah oui, je reste appuyé, mais j'ai un moment, tu peux demander, j'ai regardé pendant plusieurs secondes, le logo avait pas l'air d'avancer, hein. Moi il avance un tout petit peu. Ah non, mais c'est même plus un tout petit peu là, c'est. Il avançait aussi vite qu'une grand-mère paraplégique qui essaye de faire un jogging. Bonsoir Sacha. Ma merde alors. Il a réussi à se décrocher tout seul en fait. Ah, ah, t'as mal, hein? T'es où? T'es où, salaud? J'arrive pas à la charger moi en tout cas la secondaire. Hein. Bah écoute, moi non plus. Ah bah merci. Non, mais j'arrive pas à comprendre comment ça fonctionne. Bon, excusez, comme à chaque fois que je joue tueur, j'arrive pas trop à suivre le chat.
Écoute, je cherche à comprendre comment ça fonctionne. Non, mais moi aussi, hein, je veux dire. J'aimerais tellement te dire tout ce que je vois sur cette putain de map depuis tout à l'heure en vrai. Ah, c'est ça les indications du coup. Mais ouais, je sais pas trop comment il fonctionne son truc. Je vais regarder après du coup, mais c'est bizarre. Bah, je vais relire moi parce que. Ouais, je vais relire aussi, hein, mais. Oh putain, il a une démarche tellement. C'est tellement oppressant. Tain. 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 Vas-y, viens. Si toi tu meurs, tu seras le troisième à mourir, viens. Tu seras trois à mourir. Tout seul, Tu mais seras. trois à mourir. Alors attendez, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Oh. Ok, donc la merguez, il fait de l'auto-cannibalisme. Oh. Oh, je suis tellement déçu. Tellement déçu de toi, mon ami. Viens. Viens, je vais te faire découvrir la joie de. Et du coup, Et la Salt, beauté. j'en sais rien. Je pense que c'est pour tout le monde la map. Oh, les boucles d'oreilles kitsch. Putain, mais c'est qu'il arrive à fuir le salaud. Putain, Michael est vraiment lent. Pourquoi je l'appelle Michael? J'en sais rien. Il s'appelle Michael Alors en fait, attends c'est deux pour ça. secondes. Putain, mais il est lent, hein. Eh, c'est fou, hein. Il est lent comme perso, hein. Vois-tu, Dwight? Je sais que t'es caché par là. Mais non, je veux dire voilà. Bonsoir à nous. Ouais, lui c'est MM, c'est Michael Myers. Première compétence donc implacable. C'est pas mal du tout ça. Ah mais putain, mais avec Michael en fait, dès qu'il y a des corbeaux qui bougent, automatiquement tu le vois. Je comprends vraiment pas trop comment il fonctionne. Ah oh, non C'est mais laisse assez tomber pour moi. spécial, hein. Mais visiblement, faut traquer en utilisant mal intérieur. C'est ce que j'ai compris. Voilà. Allez, je vais te faire découvrir des amis à moi qui s'appellent Crochy Crochet. Tu vas voir, ils sont sympathiques. Oh, ton pote est là? Ton pote est juste là? Hé Dwight? Vas-y, viens, Dwight. Viens. Le temple des secrets sera rafraîchi dans 5 heures. Dans 5 heures? Genre il sera rafraîchi le dimanche, le mercredi, le machin? Oh, il m'a eu, le salaud. T'as décroché ta copine? Tu m'as eu, salaud! Oh! Les esquives que tu fais, mon petit coquin! Bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait après? On fait survivant ou on continue en tant que tueur pour essayer de voir comment ça fonctionne? Non, ça me saoule. Viens là, viens! Bon, attendez, Viens! je vais voir du coup le nouveau survivant. Le nouveau survivant, c'est celui que je vais jouer, moi. Ah, moi aussi. Je joue.
Attendez, le skin devient un peu plus clair, voilà. Putain! Tu vas réussir à t'en faire, Personnalisé. mon salaud. T'as de la chance que je sois joueur, hein. T'as de la chance que je sois joueur, hein. Voilà, et comme ça. Oh mon Dieu, je vais garder ça. Nabnab. Bon, on va la laisser avec son look de base. Hein. Survivant, on veut des boobs. Ok, Sacha, ça fonctionne. Écoute, on va faire ça comme ça. Et hop, t'as gagné ta partie, toi? Ouais. C'est passé comment? C'était. Bah, ça s'est bien passé, mais c'était spécial. Bah moi c'est spécial, hein. C'est spécial, mais ça se passe plutôt. Bon, il reste plus qu'un à trouver. Ça va être galère, mais il me reste plus qu'un à trouver, quoi. Bon, donc du coup, on va mute le jeu, on va mettre le Lamogica. Du. De cette map, mais la vache. J'aimerais trop finir sur la nouvelle map en survivant. T'es pas le seul, mon cher, t'es pas le seul. Songname, Black Widow en Nightcore. Ouais, il me reste plus qu'un survivant, donc. Bah pourtant c'est la même playlist qu'hier. C'est magique ce qui vient de se passer, Doc. Ah bon? Ah oui, la meuf elle se pétait le moteur. Jusque-là, tu vas bien, tout va bien. Sauf que, faisant péter le moteur, elle reste dans les hautes herbes qui se trouvent juste à côté. En pensant que je la verrai pas. Non, mais écoute. À voir pour l'attaque secondaire, parce que de ce que j'ai lu, c'est pété, mais. Bonsoir Odessa. Et ouais. Bah j'ai vu ça en fait, la compétence du tueur, elle est assez bien expliquée, mais je comprends pas pourquoi elle s'est pas chargée quand je l'ai utilisée. Bah moi aussi. Parce que honnêtement, j'étais persuadé de l'avoir utilisée correctement. Par contre, une partie à 10, à 16 000 points. Mais en fait, c'est normal parce que tant qu'il a pas chargé son mal intérieur, tu l'entends presque pas en fait. En fait, c'est un personnage, c'est comme les monstres dans Evolve, il a trois phases. Oui, non, il a totalement trois fois à se dire. C'est... Bon, bah du coup, tu invites? Pourquoi moi? Non, mais je sais, Sacha, que t'as tout expliqué hier. Là, je te parle du mal intérieur. Je veux dire, avec toutes les infos qu'on avait, je l'ai utilisé comme ça, mais ça a pas marché. Donc t'inquiète pas Sacha, j'ai pris en compte les informations que tu m'as données ainsi que celles que j'avais déjà, mais ça a rien changé. J'arrive pas à utiliser sa compétence secondaire.
Quand tu veux, sinon, Doc. Ouais, non, mais je répondais là. Ça va et toi, Odessa? Ils vont voir que ça, des loris, quoi. J'en ai eu aucun dans ma partie. Hein. Enfin, aucune. J'aurais pas dit mieux. Non mais t'as vu comment on a trouvé en 2-2? Moi je te dis, il y Ouais, non, a... mais il y a tout le monde qui joue. Regarde ça! C'est très original. On est dans les bonnes couleurs. On est dans le thème de couleurs, c'est bon. Je monte que dalle au temple. T'as compris quelque chose toi par rapport au temple? Non, j'attends de voir quand ça va reset en fait. Je pense que Parce ça va qu'en fait convertir c'est... les shreds une fois que ce Dildo, sera. I'm... Putain Ouais. Il dit que son dildo est. Enfin. Il dit à Dildo qu'il est en feu. Je comprends pas. Je comprends pas. Oh, c'est vrai. Quoi? Non, bah non. Mais je veux te dire, il y a un mec qui a parlé en allemand dans le chat, j'ai rien compris. Ich bin in Berlin. Ouais, bon, ça, je crois que tout le Ja. monde l'a compris du coup. La référence aussi? Évidemment. Si les gens ne Tac. savent pas qui a dit ça, c'est qu'il manque un petit peu de culture G dans le coin. C'est quoi? C'était ton coloc qui a dit ça, non? Mon frère, oui. Non, pas ton frère, celui Mais qui ta loge. gueule! Me réponds pas! Bien sûr que si, je te réponds, c'est tellement plus drôle. Ça fait de la peine quand tu réponds, ça me saoule. Bah, je fais exprès, donc oui, c'est le but. Le Ta colloque, gueule. quoi. Ah bah c'est exactement ce qu'il avait dit à la base, pour faire, tu vois, pour essayer de faire chier. Sauf que moi, du coup, je rentre dans son jeu, Oh mon Dieu, c'est la nouvelle map. Avec la petite musique d'Halloween, on va être bien. Oh mon Dieu. Est-ce que... Alors, maintenant, je vais t'inviter à te chier dessus sur cette map, parce que, clairement, voilà. Excellent. Ah non, mais J'aime. cette map, clairement. Par contre, cette map pour le Hitbilly, c'est l'enfer total. Évidemment que c'est l'enfer, y a rien. Enfin, y a rien. Si, y a tout. Et c'est le nouveau tueur. Une PC reste allumée toute la journée. Oh merde, on est dans le thème. Oh, vous êtes là. Je suis tellement content de vous avoir trouvé, je me sentais mal. Voilà, moi. Mais ce tueur n'est pas rapide, hein. Tu peux facilement le perdre. Elles sont passées où? Elles sont là. Qu'est-ce qu'il y Ah! a à l'étage? Ah! Ah! C'est super flippant! Oh merde! Mec, c'est super D'accord, flippant! c'est la musique du film quand il est à côté. Ok, je vois. Ok, c'est flippant, c'est dans le thème, c'est fantastique. C'est horrible. Je déteste ça. J'ai compris ce qui vient de se... Donc, je... Je t'en supplie. J'adore ça, j'adore ça. J'ai peur. L'ambiance est malsaine. Ta gueule. J'ai Oh peur. merde! Oh Non, merde! il est dans la Oh deuxième merde, phase. qu'est-ce qui se passe? Il est dans la deuxième phase. Non, non. Ok, c'est brouillé après toi. Oh merde! La musique, c'est quand son chargement est OP. Oh merde. Il est en troisième phase, il est pas en deuxième. À la cave. Oh putain, j'ai fait péter mon moteur. Oh merde. Même dans un quartier pareil, il y a une cave. Non, mais pourquoi je fais péter le moteur encore? Spoiler, Doc, dans toutes les maisons, il y a une cave. Ouais, je sais. Putain, Scorp, il faut que je vienne t'aider. Tu sais ce qui s'est passé? Je réparais un moteur tranquillement, puis d'un coup j'entends une musique chelou, et tu sais ce que je vois au loin? Le tueur qui ne bougeait pas. Je te jure, hein, il bougeait pas. Il me regardait juste. C'est comme ça que tu la charges, la machine.
Oh merde! Oh la vache, c'est trop flippant. C'est génialissime. Enfin, ce jeu devient flippant. Ah non, mais réellement, hein. Là, c'est... C'est malsain, hein. Je dis ça sérieusement. Enfin, ce jeu devient flippant. Ah, quoi? Merde! C'est de ma faute. Oh, il y a un moteur dans cette cave. Ah non, mais ça m'a totalement rendu mal à l'aise, moi. Mais je suis mal à l'aise. Au moins, il n'y a qu'une entrée, mais il n'y a aussi qu'une seule sortie. En fait, je me sens pas bien tout d'un coup. Tu te chies un peu dessus, non? Ah, c'est ouais. Con ça. C'est qu'il est là, mais tu sais pas où. Hein. C'est exactement ça, putain. J'entends en plus respirer. Ah oui, dès que tu fais bouger un roux corbeau, je préfère te prévenir. Hein. Il a un signal. D'accord. C'est fantastique. Voilà. Je me sens vraiment à l'aise maintenant. Merci, Scorp. J'étais qu'en phase 1. Hein. Et à chaque fois qu'un corbeau bougeait, j'avais un signal. Ah non, mais j'aime beaucoup, hein. C'est génialissime. Ça me met, pour une fois, ce jeu me met mal à l'aise. Là, je me sens vraiment pas en sécurité. Là. Là, je... Oh merde. Là, ça veut dire qu'il est en phase 3. Hein. Ouais, je sais. Mais je... là, je me sens mal à l'aise. Là, ah le non, jeu, mais... il est bien. Je tremble là. Hein. Je te Oh jure, merde. Hein, je tremble. Oh putain. Oh merde. Faut que j'aille l'aider. Il y a quelqu'un qui l'aide déjà. Enfin, il y est pas encore. Hein. Oh putain. Cours. Cours. Quoi, moi? Non, pas toi. Mais c'était super flippant ce qui vient de se passer pour la meuf là. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle allait pour sauver l'autre, et au loin, tu vois un tueur qui lève le couteau en hauteur en mode non, mais j'arrive, t'inquiète. Hein. Faut aller la sauver l'autre, hein. Y a moyen. Hein. Paradoxe sauveur. Mais je suis un fou, moi. Je suis un déglingos, tu me connais pas. Je suis un déglingos, putain, je te dis. Oh putain, mais la luminosité est tellement flippante. T'as un gros cul, par contre. Hein. Ah putain! Enculé! Enculé! Cours! Je sais pas où aller, je sais pas où je peux aller, je sais pas ce que je peux faire. Ah ok. Ah merde. Ok d'accord, ok c'est flippant ça. Oh putain. Ok, lâche-moi. Il poursuit toujours, t'es foutu. Oh putain. Il est tout le temps avec son couteau levé en phase 2. Bah ouais. Ok, c'est pour ça. Tant qu'il est en phase 2, il a le couteau levé. Hein. Et s'il te touche, t'es one shot.
Ça, c'est si Les il est en dégâts phase sont 3. doublés. C'est en phase 3 que ses dégâts sont doublés. Ah bah c'est vrai qu'il est en phase 3. Enfin, il y est plus maintenant. Ah, quoique. Non, fais pas ça. Fais pas ça. Fais pas ça. Fais pas ça. Non, je suis gentil. Je t'assure. Non, arrête. J'aime bien la façon dont son couteau en mode. Ça coupe. Fais chier. Sinon, en dehors de ça, c'est une partie qui s'est bien passée. Enfin, je crois. Bon, bah, moi, en tout cas, je viens de me pisser dessus, là. J'ai laissé quelques gouttes de pipi. Et puis une petite phase de paix comme ça à la filée, genre de. Je me suis carrément vidé, moi. Je me suis carrément vidé. Mais Sacha, te mets pas dans cet état-là. Je subis la même chose que toi et regarde dans quel état je suis en train de me marrer. Oh, c'est génial. N'est-ce pas, touriste? Et bonsoir, du coup. Oh putain, Michael Myers, quoi. Pourquoi elle a... Oh, c'était elle, la dernière victime. Oh, excellent. C'était elle qui l'avait ciblée. La nouvelle map est cool, elle est horrible. Non mais elle est géniale la nouvelle map. Hein. Elle est fantastique. J'adore ce jeu, j'adore ce tueur, j'adore cet add-on. Ah mais c'est le meilleur add-on qu'ils aient fait. Hein. Lumière mourante. Oh la vache. C'est donc ça. Et ça, c'est une réponse à laquelle on n'a pas besoin de répondre, aux touristes. C'est évident. De quoi? Bah, est-ce que le spectre est toujours aussi pété? Ta gueule. Je crois que la réponse est claire, non? Ah, j'en ai des frissons. C'est génial. Vas-y Scorp, réinvite, j'ai envie de recommencer ça tout de suite. Oh, frisson. Oh, dans 8000 points j'ai frisson. On se fait une privée avec Tanou et les autres? Ou pas? Ça fait chier. Ok. J'ai pas envie de faire de privée. C'est pour ça. Oh merde, c'est horrible. Les devs l'ont peut-être patch depuis hier. Je pense pas, non. J'ai pas vu de patch. Oh merde. Attends, y'a qui sur DBD? Personne chez moi. Sur DBD, y'a toi. Et Samades, forcément. Oh, c'est génial. Ah, excellent. C'est Stick of Truth? Ouais, mais tu trouves pas qu'il me ressemble un peu? Ouais, si, il est pas mal. Il est pas mal fait. Ça te ressemble un peu, ouais. Effectivement. Excellent. Ouais, il y a mon frangin qui joue à Stick of Truth. C'est bien, moi aussi j'ai un let's play que je peux regarder en même temps, vous voyez, quand j'attends les chargements. Pipi sur moi, l'odeur, oui l'odeur, c'est bien la pisse. Pipi je sur moi, je pisse dessus, c'est fantastique, c'est trop là, génial. Je me sens plus. Ah là là. Est-ce que je te rappelle la situation de la configuration de ma chambre? Non non, t'inquiète. Hein, la porte est juste derrière moi, je sais pas ce qui se passe derrière moi, si quelqu'un rentre. Non mais c'est génial. L'ambiance est parfaite. L'ambiance est parfaite. Heureusement, j'ai la lampe sur mon bureau qui est allumée et la lumière de la chambre. Oui, j'ai deux lumières. J'ai allumé deux lumières.
Mais vu que je suis maso, je vais aller éteindre la lumière principale. Vu que je suis maso. Ouais. Je reviens. Oh là là. C'est une musique, quoi, cette ambiance. Bon, Sacha, du coup, t'appelles Vic à la rescousse, hein? Et après, tu resubis avec nous cette expérience traumatisante. Oh, j'ai des frissons. C'est génial. Ça fait longtemps que je ne me vais pas donner des frissons. Des vrais frissons. Ouais. Alors, je joue depuis peu au jeu d'horreur. Doc, t'as en témoigné? Ouais, je confirme. Mais malgré tout, je trouvais pas ça si flippant. Je connaissais le Slender. Slender, je trouvais pas en quoi c'était flippant. C'était juste oppressant, Slender. C'était pas. C'était juste oppressant selon moi, donc alors qu'on m'avait dit que c'était flippant. Bon. Five Night, Friday, Five Night, Freddy. At Freddy's. Voilà. Ce jeu est particulier. Ouais. Vu que tu t'attends, tu sens le coup venir, donc c'est pas si flippant que ça, selon moi. Les animatroniques peuvent être flippants. Animatroniques, mais autrement, ouais. Non. Mais là, quand même. Non, mais là, c'était. C'est absolument atroce. Même Boogeyman m'a pas fait autant flipper. Même Boogeyman m'a pas fait mieux. Oh putain, quoi. J'adore ce DLC. C'est le meilleur. C'est génialissime. Meilleur, tu vois, c'est. Ouais, c'est lié. Yes. Tout est lié. Excellent. Ah non, non. Reviens. Gamal. Non, keep flowing. Don't play mission. Mais pourquoi? J'aimerais lui dire justement. Ah, ah bah. Okay. Rien à foutre, je l'écrirai quand même. Oui, moi aussi je vais. I'm a warrior. Oh, allez quoi. Rejoignez les gens. Ou alors on cherche un autre lobby. Ah, quelqu'un nous a rejoint. Eh bien, coucou Vic. Coucou Vic. C'est parti. Oh putain. Déjà qu'on prenait un plaisir à jouer au jeu, mais alors là. Le plaisir n'est qu'augmenté. Par contre, je sais que ça ne change rien, hein. Mais je vais quand même mettre mes gilets parce que je frissonne. Alors que ça change rien puisque c'est des frissons de peur. Mais bon, ça met des vêtements sur moi, je me sens en sécurité. Maintenant, je suis sur ma tablette de chocolat. Ah la vache. J'adore le message que j'écris dans le chat. Je suis en train de péter un câble monstrueux. Pourtant, je dis rien de particulier. Non, mais on sent ton malaise dans ta voix en fait. Ta gueule. Ça, c'est magique. Regarde, je refais mon ressentir mon malaise. Alors, Lou, tu connais l'expression femme qui rit. Pardon, excusez-moi, il ne fallait pas. Allez, quoi, le dernier survivant, rejoins. Rejoins, bordel. Veux jouer, putain. J'avoue. Billy! Gamin! Gamin! Reviens, gamin!
Oh putain. Oui, le message que j'ai écrit est génial. On est d'accord que c'est moche. Hein. Ouais. Même comme ça. Hein. Ouais, non, mais affreusement. Mais franchement, je veux dire, le message que j'ai écrit dans le chat, c'était du génie. Alors, on s'attend pas à ce qu'il y ait un meurtrier de masse complètement fou avec un masque, mais bon, hein, vu que c'est Halloween bientôt. Je vais prendre lui. Ah, je déconne. Hé, attendez. Et pourquoi je prendrais pas lui? Ah non, je déconne. Ou pourquoi pas lui? Comme ça. Ouais, la deuxième tenue est vraiment immonde. J'ai vu une Claudette Payette. J'ai vu une Claudette Payette. Je suis obligé de mettre la Claudette Payette. Voilà, je suis obligé de lui montrer ma Claudette, ma magnifique Claudette Payette. Oui. Punaise, quoi, on n'arrive pas à trouver. Elle est immonde la deuxième tenue. Clairement, oui. Bordel, avec la quoi. Utiliser la téléportation. Pour attraper 15 survivants. Sinon, bah, on quitte et on rejoint. Les... On fait ça? Ouais, parce que, à mon avis, le lobby a l'air un peu buggé. Ça faisait longtemps, hein. Pas buggé. Soit le lobby est buggé, soit il y a vraiment énormément de monde qui joue tueur, comme on le pense tous les deux. Ouais. Puis la musique d'Halloween, quoi. This is Halloween, this is non, pas celle-là. Je savais que tu me ferais le coup en plus. Je sais pas à quoi je m'attendais. Une connerie. Comme d'hab. Hein. Comme d'hab, comme d'hab. Voici Halloween, voici Halloween. Les citrouilles vont mourir. Regarde tout. C'est ça Halloween, tout le monde a mauvaise mine. C'est normal, c'est pour terroriser les. Vas-y, les citrouilles, minissons. C'est l'heure du crime. Bienvenue à Halloween. Bien sûr, Xerxes rejoint nous, mais bon, si jamais il y a un autre personnage qu'on trouve ici, on lancera. Mais soit, oui, rejoins-nous. Rejoins-nous dès qu'on aura fini cette partie, si elle se lance un jour. Ah. Ça a l'air plutôt bien parti. Donc Xerxes, du coup, tu nous rejoindras à la prochaine, si tu veux. Allez, Vanilla. Ah. Allez. J'ai froid aux mains, en plus. Allez, valide. Allez. Je veux jouer. Allez, valide. Ouais, on est d'accord, Odessa. On a l'impression que son skin est un peu flou à Lori. Je suis totalement d'accord. Mais d'un autre côté, je sais pas, c'est l'impression que ça me donne, mais... Le nouveau personnage a des traits beaucoup plus sérieux que les personnages de DBD de basique. Je trouve qu'ils ont les traits plus fins, en fait. Ah, c'est sûr que vu son visage... Ça va, c'est bon. C'est la censure. C'est la censure. Mais non, c'est parce que ça fait trop 80s, quoi. Mais alors... Toi, vu que tu as regardé Halloween, oui. Il a une sale gueule sous le masque ou c'est juste pour faire peur? Non, il a, pff, il est pas joli, hein. Il est assez moche, mais il est pas défiguré ou autre quoi. Oh, mais c'est juste qu'en fait, depuis qu'il est gosse, il porte des masques en fait. Et ce masque-là, c'est le masque qu'il a porté quand il a tué son père, enfin son beau-père, je crois, et sa sœur. Ainsi que son copain, parce que je crois qu'ils étaient en plein ébat quand il est arrivé. Où il a fait ça? Je sais plus, je crois qu'il y a quelqu'un qui l'a un peu poussé à bout et... Et voilà, il a pété un câble.
Et puis il faut avouer que c'était le gamin que tu sais qui brutalisait des animaux et tout. Il montrait déjà des désordres psychologiques un peu violents. Ok, c'est pas le nouveau tueur. C'est l'autre nouveau tueur. C'est l'autre nouveau tueur. Génial. Tu peux deviner duquel je te parle. Ouais. Il s'est toujours pas fait entendre d'ailleurs. Quoi? Attends. Ah! Il m'observe! Mais le crochet il correspond pas? Mais c'est normal! Il poursuit quelqu'un là? Moi! Je me sens pas bien, je me sens pas bien, je me sens cruellement pas bien. Je me sens pas bien du tout. Je me sens pas bien. Il est dans mes parages là. Il est parti. Oh putain, j'en peux plus. Oh mec, je déteste ce jeu. Ce tueur, je le déteste. Moi, je l'adore et je le déteste en même temps, putain. Oui, non, mais c'est ce que je voulais dire en fait. Je le déteste tellement qu'il est génial. Oh non, j'ai fait péter le moteur. Toujours heureux d'être l'aimant à psychopathe. Non, parce que je sais qu'il me regarde moi maintenant. Je sais qu'il va même pas chercher en avoir d'autres. Je veux dire, je suis content d'avoir eu mon rank 1 avant. Oui, moi aussi. Oh merde, si j'ouvre la malle, il va être derrière moi. Vu qu'on l'entend plus. Oh, je suis tellement dans la merde. Je suis tellement dans la merde. Tu sais ce qui me fait le plus flipper? Non. Qu'est-ce qui te fait flipper? Parce que moi là ça me stresse là. C'est le fait que tu regardes quelque part, tu vois rien, tu regardes l'autre part, tu vois rien, puis tu reviens à l'endroit que tu regardais, et puis t'as juste un mec qui te regarde. Qui te regarde, c'est malsain. Ah, pas bien. Parce que moi c'est ce qui m'a fait en tout début de partie, je tourne la tête, puis je vois le tueur qui me regarde. Je vais y aller. J'ai compris comment il fonctionne. Ok, j'ai compris comment il fonctionne. Faut pas que tu marches avec. Faut que tu sois à l'arrêt. Ah non, on est d'accord. Ok. Il court après qui? Il court après qui? Ok. Reste loin, on peut s'arranger toi et moi. Tu aimes les chocobons? Les chocobons c'est bon. C'est la vie les chocobons. C'est... Non mais s'il vous plaît quoi. Je me sens pas bien là. S'il vous plaît. Encore moi, non. Oh merde. Il t'emmène à la cave ou pas? Bon, Doc, t'as entendu ce que j'ai dit du coup pour le fonctionnement du cœur? Ouais, faut pas qu'il. Faut qu'il bouge pas en fait en observant ses victimes. Ok, c'est fini. Il a fini sa phase. Faut qu'il la recharge maintenant. Ouais, vous avez totalement perdu Scorp là. Scorp, il est pas bien. Scorp, il nous commence une PLS là. Il nous observe au loin, c'est malsain. Il est juste au coin du bus. Ah, je le vois pas. Oh putain. Il va falloir que je cours. Dès que t'es dans la merde si tu fais ça. Ouais, mais il faut que je le fasse maintenant. Pourquoi t'as fait ça?
Aïe aïe aïe, ah, il coupe bien son couteau. Non mais avec ce tueur, je crois que je vais chercher qu'une seule chose. La fuite. Dès que je peux quitter la map, je le fais. J'en peux plus, arrête de me courir après. Arrête de me courir après, je te dis. Lâche-moi les putains de miches. À ne pas confondre avec lèche-moi mes putains de miches. Yeah. Attends, quoi? Non, par contre, je suis pas remarqué, mais dans ce petit jean, elle a un gros cul quand même. Hein. Je voulais juste te dire qu'il était en phase 2 maintenant. Non, mais moi je veux me casser là en fait. Non, mais je te rassure, c'était juste pour te rassurer, il est en phase 2. Parce que les skill checks sont plus petits. Et que c'est le tueur qui provoque ça. Moi je veux juste me barrer, me mettre à l'abri et me soigner, putain. Et. Merci qui? Oh mec, t'abuses. Quoi? Quoi? Il est juste là. Il était à côté de la porte. Oh putain. Ah! Ah! C'est pas pour moi, hein? Hein? Non, c'est pas pour moi non plus. Pourquoi ça fait flipper tout le monde à chaque fois? Hein? Parce que c'est la musique d'Halloween et qu'elle me gueule dans les oreilles à chaque fois. Oui, oui, je peux m'enfuir, je peux m'enfuir. Oui, je peux m'enfuir. Je m'enfuis, c'est bon. Je me casse. Allez, ciao les nuls. Oh putain. J'ai survécu, putain. J'ai survécu. Ah, mon Dieu. Oh merde. Quoi, j'ai pas gagné? Tu te fous de moi? J'ai pas gagné de cristal? Oh. Oh non, j'ai fait 5300 survie tout ça, putain. Ah si, ok d'accord, c'est bugger. Ok. Bon, bah j'attends ton invitation et on va inviter Xerxes, hein? Fais pipi dessus. Je vais envoyer un message à Xerxes. Moi j'ai fait gros pipi dans le culotte. Bonsoir Phaser. Oh putain de merde quoi. Ok, Xerxes est en pleine mage, donc on peut lancer sans lui. Ah. Ah. Ah quoi? Ah. Qu'est-ce que t'as fait? Ah. Mais qu'est-ce que t'as fait, putain? Réponds-moi.
Réponds-moi, putain. Je vais te taper dessus. Oh. C'est con que le quatrième répond pas, parce que j'aurais aimé qu'il y ait un pseudo encore plus long que le tien. Comme ça, ça faisait... ça faisait escalier. Exact. Oh merde. Après celle-là, je vais aller m'en fumer une, d'accord? Après celle-là, je vais me faire un chocolat chaud. Scorpi est tellement en PLS qu'il lui faut un chocolat chaud, c'est fini. Ta gueule. Je suis pas bien. Ce tueur me rend mal à l'aise. Mec, tu m'as déjà senti aussi stressé sur une partie de DVD ou quoi? Non. Bon bah alors... Tu m'as déjà senti aussi stressé, moi? Oh non. La dernière fois que je t'ai entendu comme ça, on n'avait pas joué un film de, un jeu d'horreur à la con. Je sais plus. Oh. Je crois que ça concernait une vidéo où des mecs faisaient un jeu d'horreur. C'est probable. Et j'ai en tête d'acheter du 13, non mais c'est déconné. Je crois que je vais pas l'acheter celui-là. Tu sais que niveau ambiance ça va être pire. Ah bah je déteste. Bah, je vais pas l'acheter ce jeu. Parce que je veux ça, dire... j'aurais aucun regret. Parce que je veux dire du coup, là-dedans t'as la musique d'Halloween. Dans Vendredi 13, quand t'as Jason qui est pas loin, ça fait comme dans le film, ça fait... Ouais, ferme ta gueule. Tu vois la bande ambiance quoi. Ta gueule. Ferme-la. Au moins. Laisse-moi me chier dessus. Au moins, on n'est pas dans la petite Tessie, wesh. Je me sens tellement pas à l'aise. J'ai pas de perks en plus. Je suis pas à l'aise, je suis en plein milieu des champs, mec. Non, mais je l'étais tout à l'heure. Dans la première partie que j'ai fait en survivant, là. Enfin, non, pas en survivant, en tueur. Je t'avoue que les mecs ils devaient pas être bien. Oh merde, j'ai fait péter le moteur. Et merde, j'ai encore fait péter le moteur. Je suis pas serein. J'arrive pas à jouer. J'arrive pas à le voir. Je le vois pas. Je le vois pas, je sais pas où il est. Je sais qu'il est là. Je sais qu'il est par là. Je le sens. Au moins, il y a des gens qui arrivent à faire leur skill check hein, parce que putain. Il est quelque part. Il est quelque part, bordel. Sur la map, il est quelque part. Ouais, on est d'accord, il est sur la map. Oh putain, il est là. Oh putain, je viens de le voir. Bah, tu devineras jamais lequel c'est. C'est qui? C'est notre nouveau copain préféré. Ah, j'aurais pas deviné. Laissez-moi réparer des moteurs en paix. Oh oui, il y en a un là. Je pense que c'est un mec qui essaye le tueur parce qu'il a pas encore activé les... Oh putain, oh, c'est bon. Et sinon, la façon de jouer du tueur depuis qu'on a découvert comment il fonctionnait, ça correspond au film? Ouais. Genre il te regarde comme ça sans bouger et après il te poursuit. Bah en fait ce qui se passe c'est qu'il surprend les gens à la base. Donc en fait il les regarde pendant un moment. Puis soit il le remarque, soit il le remarque pas. Mais au bout d'un moment il avance et il agit. Mais ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est totalement RP en fait comme maintenant que j'y pense j'aurais dû essayer. Bah moi je connais pas du tout donc Oh merde il est là. Aïe 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 aïe. Ah ça pique. Et ben je vous avoue qu'on se sent beaucoup mieux quand on joue Michael Myers que quand on joue contre Michael Myers. Bah maintenant que j'ai compris comment il fonctionnait, je me sens mieux. Honnêtement. Oui bah je veux dire ce tueur là il va pas nous poser trop de problèmes.
faudra juste éviter qu'il nous regarde en fait. Juste faire en sorte qu'il nous regarde pas. Putain, les skill checks sont tellement petits avec lui. Ouais, par contre, c'est ouf ça. Je veux dire, j'ai énormément de mal à les faire. Ça me dérange pas plus que ça, moi. Non, mais en début de partie, c'est flippant quoi. Je veux dire, j'ai fait péter mon moteur 2 fois d'affilée, moi. On sort plutôt bien, moi. Maintenant, ça va mieux. Mais putain, tout à l'heure, quoi. Vous le sentez sur garde caméra sur mon écran, là, qui montre que je vais pas bien, là. La pression. Et qu'il y a le tueur derrière. La pression est retombée, en fait, tu vois. Bah, moi, j'ai le tueur qui est juste là, là. Il me course avec insistance, dirons-nous. Oh, je l'ai étourdi. Trop cool. Quelqu'un ouvre la porte ? Porte. J'ai ouvert une porte. Bah, je parie que c'est pas la mienne. Ah non. Évidemment, il va courir vers moi, hein. Évidemment, il va courir vers moi. Non ? Oui. Prenez un tarif à ma porte. Non. Ah ouais, non, t'es pas blessé, donc on va m'aller. Ok, c'est bon. Oh yes. Oh merde. Oh, le moteur. Je suis déjà au max en objectif, mais bon. Elle est là-bas, l'autre porte. Putain, elle est loin. Bon, du coup, je suppose que le tueur va arriver en ligne droite. Hein. Il va pas faire par quatre chemins. En mode SA, c'est quoi ça, le mode SA? Je sais pas. Ah, il est là. Il arrive. Il va arriver là, là. J'aurais dû écrire des scénars de films d'horreur. J'ai dit le moment exact où il est apparu à l'écran. Oh putain. Bah en fait, si tu veux, Lou, le stress va revenir, mais dans une partie où les gens joueront bien le tueur. Bah là, il le jouait mal. Parce que là, il le jouait mal, donc on pouvait pas être stressé plus que ça. C'est Batman. C'est pour ça qu'il a tué personne. Ah d'accord. J'ai même pas eu le temps de lui répondre qu'il fallait pas qu'il bouge. J'attends tellement qu'il rajoute le clown de ça en tueur pour que ça devienne flippant as fuck. Parce que ferme même moi là je vais me sentir mal. Ferme là. Jamais le clown. Jamais. Empathie. Bah ça c'est pratique. Bon. Du coup, toi, tu vas te chercher un chocolat et moi, je vais aller m'en fumer une. Rejoins-moi. Bon. Allez, je me chie dessus. À plus tard. Ah, à plus tard. Non, moi, je valide pas. Hein. On va trouver une partie trop vite. Hein. Ah oui, non, mais bien sûr. Je valide quand je reviens. Hein. À toute. À tout de suite. Hein. Il est fou ce garçon. Oui, parce que le clown, c'est particulier avec moi. Bref, du coup, je reviens le live. A tout de suite, je vous mets de la musique. Bisous, bisous. Et après, je te move, Xerxes.
Alors, vous remarquerez donc que j'ai un peu plus profité de ma clope que d'habitude. Lou, j'adore. C'est pas possible que j'ai fumé encore plus vite. J'ai même discuté avec mon frangin. On va pas lancer de musique maintenant, sinon ça va être un peu court. Doc, ils font exprès de me faire peur. T'inquiète pas, Sacha, tu as Victor qui est à côté de toi. Scorp, ne mets pas 3 heures pour ton chocolat, sinon ça va pas le faire. Je te laisse le maximum de temps, Scorp, mais là ça va pas être possible, 30 ans. Scorp, reviens vite, putain. Sinon, tu vas l'avoir dans l'os. Non, mais Phaser, calme-toi, sinon Sacha va partir. Déjà que les parties sont oppressantes, même pour moi. Scorp, par pitié. Oh merde, la partie commence et Scorp est pas là. Il est où le foutage de gueule? Il est où? Ah, on a un hillbilly. Hein? Il est où le foutage de gueule? Bah moi j'espérais que t'arrives maintenant justement. Ouais. Ouais bah ouais, je valide comme ça, parce que comme ça c'était validé. Hein? Mais je me suis dit que tu prendrais pas 4 ans. Ouais, sauf que ma mère m'a posé des questions, on discute, hein, j'ai une vie sociale, moi. Bah j'ai discuté avec mon frangin, moi. Ouais, sauf que, ouais. Non, si elle me demandait si je faisais quelque chose pour le premier moment. Donc je lui ai dit que j'étais probable. Attends. Les skill checks sont réduits. Ça vient peut-être du personnage, hein. Et merde. Ah mais oui, mais c'est vrai que maintenant c'est qu'avec les perfects que tu gagnes des points. Y'a peut-être un lien. Non? Bon bah je vais me faire foutre. Eh, j'ai fait un bon test d'habité, j'ai gagné des points. Ah oui, non mais tu gagnes des points, c'est juste que tu fais pas avancer le moteur plus vite en fait. Ok. Tu fais plus avancer le moteur, tu continues à gagner des points mais tu fais plus... Ok, d'accord. Ouais. Il m'a lâché. Ah, bah y'a trop de gars qu'un autre. Ça tombe bien, je venais d'allumer mon moteur, moi. Ah, t'as ouvert... Va vers la porte. Merci. Là, derrière. Ouais, je préfère aussi. Parce qu'on est habillé et tellement flashy. J'ai pas eu le temps de secouer mon chocolat pour mélanger le sucre. J'ai pas eu le temps de secouer mon chocolat. J'aurais tellement voulu que tu dises autre chose, mais on dira pas quoi. Bah quoi? J'ai pas eu le temps de secouer ma bite, c'est ça? Putain, mais bordel, le skill check à la con. Bon allez. Ah mais j'en fais exprès, hein. Tiens, bah d'accord, je fais ça aussi, voilà. Pourquoi?
parce que j'avais envie. Claire. Attends, Shabbat. Oh, wait. Exercice. Quoi? Regarde ce qu'il a mis dans le chat. Oh putain. Merde, j'ai pas vu où elle était tombée. Ça me redonne faim. Quelle horreur. Non mais il faut savoir qu'avec Xerxes, quand je suis avec lui et qu'on regarde des films d'horreur, généralement c'est le moment où on mange. Ah mais t'inquiète hein. Parce que c'est beaucoup plus drôle. Rien ne m'empêchera de manger. Moi il faut savoir que rien ne m'empêchera de manger. Ah non, moi franchement, je ne spoile pas, hein. Je ne dirai rien. Mais le dernier épisode de The Walking Dead, c'était pas gore, enfin c'était pas le gore, c'était juste émotionnellement, ça m'a coupé l'appétit. J'ai dû faire une pause de 5-10 minutes avant de remanger. Pourquoi? Parce que c'est vraiment chaud à voir. Ah, c'était horrible. C'était une scène qui était vraiment... Enfin, psychologiquement, pour les survivants, c'était horrible. Ouais, c'est psychologiquement, d'accord. Chaud. Chaud, chaud, chaud. Cet épisode de merde. Alors, sachez que moi, je suis totalement épargné par rapport à ça. Je ne regarde pas du tout. J'ai bien fait de mettre empathie. Pourquoi? Bah, parce que du coup, j'ai trouvé le Jake. Ah, la bâtard! Pucha kata kasha purakta. J'avoue Xerxes. Mon chat c'est... Non. Tu sais que t'as de beaux Coucou yeux. Coucou Loïli, comment vas-tu? Tes yeux blancs et écarlates. Tu sais qu'ils m'excitent. Blanc et écarlate. Écoute, moi j'aime... Non pas le crochet, il fait mal. À part quand ton chat te dépose son bilan et que t'es en train de manger. Mais non, mais pas quand je mélange mon chocolat, putain. On parle de mon chat aussi. Mon chat, c'est la mort. Hein. Quand il dépose le bilan, mon chat, c'est la bombe H. Je crois que tu n'as jamais vu mon chat. Moi, on l'appelle le Moi, ça va, Loïc. Chez moi, on l'appelle le couloir de la mort quand il va. Ah bah du coup moi c'est plus ou moins pareil. Donc Scorp j'arrive. Parce que je suppose que c'est toi qui es là. Bah oui. Vive empathie. C'est quoi ça empathie? Ça peut... Alors, c'est une compétence de Claudette. C'est trop cool. Parce qu'en fait ça te permet de voir les joueurs blessés. Si tu savais à quel point je te détestais. Oh non, putain! Elle est morte? Ah putain, c'est chaud! Il y a tout le monde qui dit que son chat est pire que celui de l'autre. Eh! Hey. Eh ben moi d'abord, mon chat! Eh ben il pue du cul, wesh! Excellent! Attends quoi? Ah, il est inquiétant! Et pour le dernier moteur, quelqu'un s'en occupe ou on va se faire? Moi j'attends qu'il se barre de la zone, je vais aller sur le moteur qu'il va laisser. Petite se prend. Allez! On s'amuse à inventer des DLC. Vas-y. Bah... Petit ours brun. Oh, je sais. Tu rajoutes Todd Prenel et... comment ça s'appelle l'autre? Ah d'accord, tu veux rajouter ces personnes-là.
Ouais. Non mais là c'est tout de suite là le. Et soit on met non faut mettre l'ours. Alors attends. C'est. Parce que Pimprenel je m'en souviens, mais je me souviens jamais du mec. Ah dis-moi que t'es dessus. Ouais, t'es dessus. Il vient sur nous, hein. Plus précisément, il vient sur moi. Il va vers la porte? Non. Non. Ça va pas le faire, là, par contre. Là, pour... S'il y en a un qui commence à me spam, s'il vient sur le Twitch, clairement je le kick, je le banne. Sans aucune forme de respect. Il y a un nouveau perso? Ouais, bah Laurie, là que je suis en train de jouer. Et sinon, en tueur, il y a Michael Myers d'Halloween. Ah d'accord, il y a eu un petit bug là. Hein. Oh merde! T'étais sur la trappe! Ouais. Que fais-je, que fais-je? Il vient vers la porte que t'as ouvert. Ta gueule, me le rappelle pas. Oh putain, oh putain, oh putain, oh putain, oh putain, oh putain, 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 putain. Oh putain, je me sens pas bien là. Je me sens pas bien, mais. Et avec les nouvelles musiques qu'ils ont rajoutées, c'est de pire en pire, je me sens pas bien. Je te jure, je me sens pas bien. Je vais jamais y arriver. Ouais, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Putain, fait chier. Ils ont une compétence spéciale. Ouais, ouais, ils sont plusieurs à avoir des compétences spéciales. Putain, j'espère tellement que je vais... Logiquement, elle est à côté de la trappe, donc... Eh putain! Eh, ça me casse les couilles. De quoi? Non, bah voilà. Voilà, il y en a un qui a décidé de spam, du coup, bah ils ont tous eu l'idée de me spam maintenant. Et s'il y a bien un truc qui me casse les couilles, c'est ça. Je te dis, j'ai retiré les notifications Steam, moi. Ah bah je gagne mon cristal quand même. Oui, et comme je disais, Loélie, j'ai dit pas de spoil pour le ceux qui voudraient regarder ou pas. Donc j'ai juste dit que c'était un épisode qui, ma foi, était fort bien réussi. Alors, en fait, à la fin... Alors que je regarde même pas, tu sais. C'est ça. Mais je sais. Mais je sais tout. Car je me renseigne. Du coup, Scorp, je te laisse inviter. Loli, perso, je pleurais en PLS dans mon lit. Moi, j'ai juste pris une pause de 5-10 minutes avant de recommencer à manger, mais sinon tout va bien. Ça m'a déjà fait ça, moi, le fait de faire une pause parce que ça m'avait choqué. Ouais, c'est ça, ça m'avait choqué, quoi. C'était même pas le fait que ce soit gore ou autre, hein. C'est juste le fait que ça m'a totalement choqué, quoi. Bah, si, tu veux que je te dise, quelle est la chose qui m'a choqué? Mmh. L'une des choses qui m'a choqué, qui m'avait fait arrêter de manger, c'était l'épisode 2 de la saison 4 de Game of Thrones. D'accord. Bon, je te rejoins, j'invite Xerxes. Je viens de l'inviter. Donc je sais pas si tu vois de quelle chose je te parle. Nope. Sur le moment, nope.
pars en principe nos spoils, hein. Il y en a qui l'ont pas encore vu, et je suis pas une pute. Game of Thrones reste encore assez récent pour ne pas spoil. Donc je te l'envoie en MP. Ok, et je move Xerxes du coup. Salut Xerxes, je t'ai move du coup si tu veux régler ton micro pour pouvoir parler et... Voilà. Voilà, je te l'ai envoyé. T'entends ? Ouais, on t'entend. Bonsoir. Tout va bien ? Plus de problème ? C'est parfait. Et donc ce serait Nicolas et Pimprenel ? Ah, Nicolas et Pimprenel. Ouais, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est ça. Ah oui, c'est ça, Nicolas et Pimprenel. De bonne nuit les petits. Moi j'ai regardé beaucoup de YouTube Poop là-dessus. C'était à mourir de rire. Je crois qu'il y a une version, je sais plus c'est laquelle, mais vraiment elle est horrible. Ah, c'est les Cassos, oui. De quoi ? On fait un truc sur Pimprenel et tout avec les Cassos. Oui, oui, les Cassos. Alors, ils l'ont fait. Les humoristes, merde. Garnier sans tout. Il avait fait un sketch sur ça. Y'a rien. Et donc au début ils sont avec leur voix toute mignonne et puis au bout d'un moment bah ils ont les voix les voix de d'adultes. Ah ouais, hein. D'accord. Les voix d'adultes. Hein. Vas-y mais arrête avec ta voix, putain, c'est vraiment chiant, on fait ça depuis des années, c'est de la merde. Et d'un coup t'as Nounours qui se ramène. Et à partir du moment où Nounours se ramène, c'est l'hécatombe. C'est le truc le plus horrible que t'aies jamais entendu de ta vie. Vas-y, et toi, ferme ta gueule. Tu nous fais chier à venir tous les soirs et ton pote nous balance du sable. Oh, regarde, j'en ai plein dans mon lit, là. Ça me saoule. Et puis, t'as vu voir ce qu'il fait. Allez, les enfants, au lit. Non, on va pas aller au lit. Tu nous fais chier à nous donner des ordres. Bon, d'accord. Mais pour ça, avant, il va falloir faire quelque chose. Quoi, qu'est-ce que tu veux? Du tabac. Mauvais. Et une bonne pipe. J'ai pas la nouvelle perso. Non, parce que c'est pas un gratuit. Et quoi ? C'est pas un DLC gratuit. Élitiste. Oh putain, si c'est encore Michael Myers, je vais pas être bien. Le Lou sera super contente, mais moi je vais pas être bien. Moi j'ai envie de le voir. Ah oui, Sacha, quand même. Sacha, ça l'a traumatisé. Hein. Ah oui, elle va pas bien, visiblement. Non, moi, j'ai regardé... En fait, j'ai regardé le dernier épisode en mangeant. Comment fais-tu pour ne pas reconnaître ma voix ? J'avoue. Je ne comprends pas. Je ne connais personne dans le groupe qui a la même voix que moi. Ah si, un truc choquant. La fin de Dexter. Je sais pas, je regarde pas Dexter donc. Oui, je m'en fous. Mais j'ai vu la fin et elle est spéciale. La fin de Dexter, c'est de la merde. Une série géniale, ils font la fin. Moi, je trouve ça décevant. Je crois que beaucoup de fans ont dit la même chose de How I Met Your Mother, comme ça se termine. Oh, dur. Oui. Il y a deux fins différentes. Oui, apparemment, ouais. C'est pas tel que. Après, non, je connais c'est pas. C'est trop bizarre. Infirmière. Non, c'est par rapport à la map maintenant, les crochets. Ah, on peut très bien avoir Michael Myers. Ah, j'aime pas. Ouais, hein. Salut, ça va ? Je me sens ah, pas bien. Toi, oh putain, non. Putain. Putain, c'est lui. J'ai sursauté. C'est lui ? C'est son pouvoir de faire du bruit comme ça ? Non, non, c'est juste la musique du film. Il te prévient juste. Voilà. Il est passé dans une nouvelle phase. Mettez-vous à stresser, je veux. Et merde, ça y est, ça commence. M'en fous, je peux voir les blessés. J'ai fait péter mon moteur. Ok, je te propose un truc. Même si t'es parti ouvrir une malle, je te propose de faire les moteurs de l'asile après. Je suis pas serein. Je suis pas serein du tout. Une clé. C'est à quoi la clé ? Elle est comment ? Elle est verte. Elle sert à rien. Elle est cassée, elle sert à rien. Dure. Oh non ! Un homme est tombé à terre !
Du coup, il a quoi comme compétence? Alors, il a une compétence qui lui permet de désigner une cible à tuer en dernier. Et je sais plus les deux autres. Faudrait que je regarde le patch de nouveau. Non, non. Et moi, j'ai le lien du site. Je pourrais vous envoyer ça. Sinon, est-ce que... Bah, sinon, je vous le dis tout simplement. Regardez le trailer de sortie de DBD à propos du DLC Halloween. Il y a tout qui est expliqué dedans. Mais je vais oh putain, il est là. Après la partie, pour les intéressés, j'enverrai le lien. Ah oui, effectivement, il est là. C'est de la description des tueurs. De tous les tueurs. De s'enfuir. Il tente de se casser. Et d'essayer d'aller sauver l'autre. Je veux juste pas la fermer, Doc. Oup. Il se fait attaquer là. Moi. T'es à l'étage? Non, y'a personne qui allait l'aider. Ah oui, merde. Attends, je vais aller l'aider. Merci Lou, merci de ton soutien, c'est mignon. Me téléporte. Et merde, et merde, et merde, et merde, et merde, et merde. Putain, il m'a OS, c'est bon. Il m'a one shot. Oh non. Je suis descendu au moment où il t'a tué. Oh dur. Non, 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 non. Parce qu'il est passé en troisième phase. Non, les mecs. Non. Il y a des phases maintenant ? Non. Lui, oui. Non. Non. On rampe vers toi. Mais faites pas ça, putain. Non, mais moi, je veux juste me planquer et recover. Et merde, je peux pas. Viser recover. Recover. Recover, Xerxes. Tu feras gagner du temps à Scorp. Il faut que t'arrêtes de bouger pour recover. Mais je me planque d'abord, une seconde. Bon. Bah il revient vers vous du coup. Ah non. Ça y est, là, il se dirige vers vous là. Un peu plus loin. Épée. Oh merde. Il est revenu vers moi. Allons sauver le maître. Oui, s'il vous plaît. Venez me sauver. J'accours, maître. Je ferai office de bouc émissaire. What the fuck? Il est à côté de moi toujours, hein, pour le moment. Je sais pas où il est passé maintenant. Je sais vraiment pas où il est. Il arrive, il est vers moi, tu peux le sauver, tu peux y aller. Mais c'est maintenant ou jamais. Hein. Soit après, vous fuyez. Vas-y, on fuit. Et soigne-moi dans ce coin-là. Mais je pense qu'il est revenu vers vous. Bah clairement, oui. Vas-y, soignez-moi. J'ai fait péter un moteur en fait, c'est pour ça qu'il est venu. Soigne-moi, s'il te plaît. Oh putain, il est toujours chez moi, il est toujours chez moi. Il est toujours chez moi. Ah merde. Il est retourné dans les îles, je crois. Tu m'étonnes. Ouais, il revient vers vous là. Là par contre, il revient dans votre secteur. Accompagne-toi. Sinon, tu aurais fait effrayer les corbeaux. Ah oui, avec ce tueur, si tu fais fuir les corbeaux, il y a une chance qu'il te repère. D'accord. Ouais, quand j'ai testé le tueur, j'ai remarqué ça. Je vais faire la partie en accroupi alors. Non mais peut-être pas quand même. Quel est le challenge? Alors, lequel de moteur n'est pas encore fait? Ah, celui de l'étage. Celui-là il est fini. Y'a pas un devant là? Non, il faut aller plus loin. Oh putain. Alors, il y a un petit souci les mecs. Oui. Bah je sais pas. Regarde, tu vois pas un truc chelou là par exemple? Comme le fait qu'on est tous ensemble. Voilà.
et que je viens de là où vous allez. Ah. Eh ouais. Parce qu'il y avait le tueur, moi. Il y a un moteur. Oh merde. Je sais pas si c'est là pour vous. Non, il est pas là. Non, non, c'est une hallucination visuelle de groupe. Oui, je vois ça, il me poursuit. Comme dans le RP, par exemple. Oui. Oh putain, non. Arrêtez cette musique tout de suite. Mais il me poursuit. Je suis à l'étage, hein. La technique de l'arbre, la technique de l'arbre, oui, la technique de l'arbre. La belle technique de l'arbre. Il est bien planqué. La technique de l'arbre, je me chie dessus. Hey ! Sinon, ça va, vous ? Dis-moi qu'on fait pas du DBD toute la nuit. Bah, je sais pas, parce que le DLC est très bon, donc peut-être. Attends, il est où ? Alors, où est-ce qu'il est ? Il est reparti là où il m'a tué. Je vois des traces, il les suit. Et je mets ce moteur au bord de l'explosion. En tout cas, il est parti. Ah, il est au bout de la map, je le vois. Il fait le tour de l'asile. Il fait le tour de l'asile. Ah, du bâtiment, je veux dire. C'est là où je suis, l'asile. Il est en train de monter. Il est là. Il démarche. Il est là, il me court après, putain. Aïe. Putain, si j'avais su. Oh merde. Si j'avais su, je serais pas aussi loin pour sauver de Versailles, moi. Mais surtout qu'il a repéré, quoi. Vous avez peut-être encore le temps. Quoique, il est revenu sur ma position. Ah. Je me dirige vers vous. Bien sur vous. Bon, je crois que vous pouvez m'abandonner à mon sort. Ah. Cette peine perdue. Ne vous inquiétez pas. Gore se sacrifie pour l'équipe. Oh merde. Pourquoi j'ai fait ça? Scorp. Oui. C'est pour ça qu'on meurt. Pas Scorp. Je sais pas. Il y a le moteur de l'asile à l'étage qui est presque fini. Ça change rien. Cet exercice, sa cible. Oui. Tu étais sa favorite. Je n'étais là que pour servir le maître. Oh non, le maître a été vaincu aussi. Ah bah oui. Oh non. C'est un jour noir. C'est un jour noir. On peut trouver la trappe. Ah, c'est marrant, ce tueur, on n'entend pas quand il s'approche. C'est normal. C'est le principe de son gameplay. Ah oui, d'accord. C'est quoi sa compétence spéciale alors que tu utilisais tout à l'heure? Bah, en fait, c'est celle qui lui permet de passer en mode one shot. Bonsoir ah, à team. Ça amène de la difficulté. C'est-à-dire qu'en soi, tu vas plus vite que lui, quoi qu'il arrive. T'es sûr de le semer. Mais si lui, il cherche son attaque. Ouais, tu te fais. Par exemple, si je crois que tu t'es fait niquer. Ouais, ouais. Voilà, on est d'accord. Mon dieu! Allez, viens. Je sais que tu ne veux que mon cul. Ah oui, il est vachement plus long que nous. Ah, j'étais pas sûr que ça fonctionne. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il va te tuer en un coup. Voilà. Oh, non. Il tente de fuir. Eh, hey, salut, ça va? Bon, je vous remets de la musique du coup. De base, je dis que t'as de beaux yeux, mais je vois pas tes yeux là.
Alors non, mais ce crochet il est pas bien. Il non mais il est défaillant. Le fais pas, il est défaillant. Tu vas mourir si tu me penses. Non, fais pas ça. Attends, on peut. Là, j'avais trouvé une clé. J'ai, je suis pas juste. Putain. Le mec a fait une super partie, quoi. Ah oui, 21 000 quand même. Gardons le meilleur pour la fin. Genre j'ai fait que 6 000 points. Putain. Ah oui, j'en ai fait 7 000. Ah bah attends, Atim, je vais te présenter en quelques mots. Le nouveau personnage. Donc il y a Laurie. Et il y a lui. Et du coup, lui, bah, c'est Michael Myers d'Halloween. Et du coup, attention. Voilà. Petite alors, musique qu'on va entendre beaucoup. Alors, cher ami du stream, cher ami du chat, tout ça. Bien. Je ne l'ai pas sur mon PC, seulement sur mon portable. Donc il faut que j'active sur mon PC parce que je suis totalement demeuré. Ah, moi je suis pas déçu, moi, des nouveaux personnages. Ah non, moi non plus. Et à l'étage. Dead by Daylight devient enfin flippant. Ouais. Bon, je te laisse m'inviter. Bah bien sûr que si, ça colle. Ce sont pas des monstres, hein, les autres, ce sont d'anciens êtres humains. Hein. Ils ont un lore et tout. C'était des vraies personnes. Ce sont pas juste des monstres. Ils ont juste pas mangé le bon kebab. Et c'est pareil pour les survivants, ils ont un petit lore aussi. Donc il y a pas d'incohérence en fait. Moi par exemple, mon chat, de la salade. Je veux pas se lancer. Et tu veux pas nous inviter non plus. Ça. J'ai occupé là. Ah, du coup, j'ai fait rejoindre la partie pour rien. Non, j'ai fait rejoindre aussi. Bah, ça a l'air de bugger, moi. Bande de teubés. Je vais faire éjecter. Et non, j'ai pas pu rejoindre. C'est normal. T'es Scorp. Ouais. Connard. Alors, voilà, maintenant ça fonctionne. Bien, je vous envoie sur le stream. Voici tous les tueurs du jeu. C'est quoi les cristaux qu'on a là sur le côté? C'est particulier. Je peux pas encore expliquer à quoi ça sert, je vais attendre que le temple se rafraîchisse pour voir ce que ça fait. Bon allez, parce qu'on je suis ready. Temple des secrets, mais ça... Oh mon dieu. Ça rafraîchit dans 4 heures, je peux pas faire. Oh pardon, excusez-moi. J'étais sur froide. Pourquoi donc? Bah, à cause de Michael. Ah. Tu sais, Scorp est ce genre de personne qui n'aime pas du tout les films d'horreur et les jeux d'horreur. Oh. Si je joue à ce jeu d'horreur là. C'est parce qu'il y a l'effet de groupe. Oui, voilà, on est moins seul. Voilà.
Autrement, c'est mort. Un Dead Space, ça doit être encore ça. Dead Space? Ouais, ça passe encore. Eh ben, Dead Space, ça reste une limite. Il y a certains passages, je ne peux pas. Ah, il y a certains passages, c'est vrai, ils sont chouettes. Au début, je pensais que c'était un FPS avec Alien, tout ça, oui. Hein. Oui, tranquille. Et puis non, en fait. Il y a certains trucs, ça me dérange. La morphologie. Et surtout les QTE quand tu meurs, j'adore. Ah, enfin, un homme. Il va baiser. Ouais, Dead Space, ça fait longtemps. Ouais, mais j'ai envie de le refaire, tu vois, ça me donne envie. Bon, par contre, je le referai sûrement bientôt. Attends, il s'est cassé là. Pas dur. Oh, genre sérieux, on va être trois quoi. Il a quitté pile à temps, je pense. Selon moi, il y a moyen que. Il y a moyen de moyenner. Moi qui ai mis ça. Tu vois, il y a moyen de moyenner. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Il y a toujours moyen. Ah non, mais on aura 4 moteurs hein, si c'est de ça dont tu parles. Oui, oui. C'est tout? C'est tout. On est trois. Hein. Non, mais Tim, on est d'accord. Elle est floue. Mais pas suffisant, il en faut plus. Elle est floue, la nouvelle survivante. Et elle a des traits plus sérieux que les personnages de... que les autres personnages des BD. Les autres personnages des BD, c'est un petit peu des parodies, ils font un peu cartoon. Hein. Ça s'envoie des vacheries en haut. Les voisins se font la gueule. Tiens, tu veux connaître mon niveau en termes de jeux d'horreur et autres? Je te pose la question. Le dernier Batman m'a foutu les boules. J'ai jamais testé, tiens. T'es difficile à tirer. C'est pas que c'est un jeu d'horreur, c'est-à-dire que je suis le style de personne qui déteste au plus haut point les screamers, pour commencer. Et il y a... Voilà, il y a... Sans spoil, hein. Mais voilà, il y a un personnage récurrent et à chaque fois qu'on le croise, la plupart du temps, c'est juste pour faire un putain de screamer. Ouais, d'accord. Voilà. J'ai envie qu'on tombe sur la nouvelle map. Vous êtes pas encore tombé dessus ? Si, si. Ah, c'est un trappeur, il a vu un piège. Ah, nickel, tu me rassures. Je peux faire le piège, je peux faire le moteur en toute sécurité. Cherche les moteurs. Dans mon coin là, il cherche quelqu'un, on dirait. Oui, il me cherche moi. Ah, une boîte. Il ne m'a pas trouvé. Oh, j'ai trouvé une boîte jaune. Ah, copine! Oh merde! Le bouc émissaire, mais... Non! Aïe aïe aïe.
Eh, hey, je suis teubé, moi. Il reste à côté de toi ou pas? Visiblement, oui. L'exercice ne parle quasi jamais, donc... Il est près de la moissonneuse. Hein? Pas bien, ça, parce que je suis de l'autre côté, moi. Ah, il est reparti, maintenant. Ah, il revient. Pardon, mais il y a des turbulences chez les voisins. Ils sont en train de se fight. Eh, hey, je suis teubé, hein. Oh non, mais... Exercice, tu regardes pas ton écran? Si, je l'avais pas vu. Passé derrière, il aurait entendu en plus. Mais c'est peine perdu. Oui, oui. Les voisins m'ont perturbé. Oh non, dire, j'ai pas fait beaucoup de poids. En fait, à Tim, c'est peut-être parce qu'ils sortent d'un film, en fait. Je veux dire, tu connais pas le film Halloween? Parce que c'est pourtant... Ouais, je me suis toujours dit, je devrais les regarder, mais je les ai pas encore vus. Oh, tu ils devrais, ils sont pas mal. Sont pas mal. C'est kitsch, ouais, hein, mais c'est pas mal. Hein, moi j'aime bien. Doc. Oui. Dans le doute que je meurs, si tu croises une porte, sache qu'il y a deux moteurs, tu n'as juste qu'à cliquer dessus pour les activer, ils sont très proches l'un de l'autre. D'accord. Oula, c'était pas passé loin ça. T'es poursuivi là? Il était pas loin de moi mais je suis pas poursuivi. Ok, donc je vais pas les activer. Il est aveugle. Aveugle, aveugle, faut le dire vite hein. Nick c'est pas là. Bah non, Nick elle est venue une seule fois sur le live, elle est pas revenue depuis. Et en termes de moteur, j'en suis que le tueur rôde dans ma zone, donc je peux même pas avancer. Pourtant il m'emmerde à la fin. Il va me lâcher, oui. Mais non, on est d'accord. Mais je sais pas, je trouve que ça correspond au film, donc... ça me choque pas, moi. Tu te fous de ma gueule. Doc. Quoi? Fais-toi plaisir, une portion. Ok. Je fais ce que je peux. Donc il y a les deux moteurs près de la porte qui sont finis, c'est ça? Je suis passé à côté d'un des deux. Non, non, je suis dans le secteur. Non mais je sais, mais je te demande juste en fait. Oui, 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 ils sont finis. Et il y en a un troisième qui est derrière la moissonneuse. Oh merde, sérieux. Qui a 3 quarts. Moi je suis fini moi. On va te mettre à la cave. Je suis fini. Bah mon moteur est juste à côté. Il va venir vers moi.
pose un piège. Oui. Ah, non, ça. Ouais, il est venu vers moi direct. Il a pas hésité une seconde. Il poursuit ? Ouais. Il a force brute 3 et tout. Et merde. J'arrive. Qu'est-ce que tu fais ? Je vais me suicider en paix. T'es trop con. T'es trop con. De l'autre côté, je pouvais rien faire de particulier, hein, honnêtement. Ouais, moi un peu bloqué. Ouais. Tueur de merde, il attend que je crève pour pouvoir te planter, quoi. Ça, c'est un tueur qui a pas de race, ça. Il ferme en plus. Ouais, bah c'est pour ça, je dis c'est un tueur qui a pas de race. Non, le maître. Maîtresse va s'y raccrocher. Oh bah ça. Et j'ai même pas assez de points, je perds un cristal. Ça, ça me rend fou, ça. Bon, je pense que je suis plus ou moins pareil actuellement. Quoique j'ai décroché Xerxes, donc... Force brute, poignée d'acier implacable. Ouais, c'est ce que je pensais. Florent B18. Je ne ferai aucune remarque sur ce pseudonyme. Alors moi c'est amusant. Le temple des secrets sera rafraîchi dans 3 petits points. Ah bon ? Ah oui, 3 petits points. Ah pareil. Bon bah Scorp, je te laisse inviter hein, comme d'hab. Sauf si tu veux qu'on parte sur du G-mode. Mais je pense qu'on va continuer un petit peu de DBD. En ton sein, Graal. Comme tu veux, Scorp. Merde, j'ai oublié d'inviter Xerxes. Non, non, je rejoins, t'inquiète pas. Hop. Tu peux faire un truc pour moi, Doc ? Mmh. Invite Christian à jouer. D'accord. Voilà. Il t'avait merci. Spammé, c'est ça ? Oui, il m'a spammé tout à l'heure. Donc là, je viens de le réinviter encore une fois. Alors, à Tim, je ne sais pas, je sais juste que ça se gagne par rapport à si tu fais une partie bien ou pas bien. Dites-moi si on trouve une partie. Ok. Je vais vérifier sur leur site. Et le truc, c'est que. Bah, on a trouvé une partie. Et le truc, c'est okay. Que. En fait, je crois que ça va commencer à être effectif, justement, quand. Quand cet événement-là sera arrivé, là, le rafraîchissement du temple. Donc, jusque-là, pour le moment, je ne sais pas. Je sais juste que ce qu'elle gagne. Il reste 10 secondes, alors. Ok. Eh, hey, ils ont créé un lore en plus à leur truc. Hein. Bah, bien sûr. Non, non, mais. Je suis sur leur site, quoi. C'est. Non, mais c'est pas ça, hein. Non, c'est pas précisé sur leur site, hein, ce que c'est. Je vais mettre un petit peu de musique, ouais. Et je vais couper le son de DBDI. Kill your friends. Excellent. Mais leur site, il est déjà mis à jour, quoi. C'est bon. Bon,
Non. Ça n'existe pas sur ce terrain. En décom épileptique. Me dis pas que ça. Ah, je leur dis ici. Je leur dis de nouveau, parce que du coup le live ne l'entendait pas. Mais comme je disais, on refait une partie ou deux sur DBD, puis après on passe sur Gmod ou. Ça va réveiller le duo de choc. On a qu'à aller sur Klingon. Ah, ok, bon. On a été éjecté. Non! T'es sur le jeu ou pas, Scorp? Non, pourquoi? Ok, ça marche. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié une personne à inviter. Oui, Exercice, d'ailleurs, tu parlais du duo de choc, tu parlais de qui? De Lou et Sacha. Ah. C'est vers 16h06 que ça se réveille, hein. Ouais, 23h c'est l'heure. Par contre, si vous validez pas tous les deux, on va pas aller loin. Dis-moi, tricher, de ma... Alors, ce n'est pas Scorp qui a dit ça. Bah, je crois qu'ils ont deviné vu que j'ai dit. Tu parles de qui, Xerxes? Ah, mais je vois pas le live, moi. Pas tout à voir, malheureusement. Va falloir s'y faire. Je suis innocente. Ouais, ouais. Pas si innocente que ça, bon. As-tu vu le lien sur la chanson de Scar? Oui, bien sûr. Je t'ai envie. Ah, que tu m'as envoyé? Ouais, sur Skype. Tu m'as envoyé ça quand? Aujourd'hui. Bon, je t'explique vite fait le principe de toute façon, mais c'est un truc vraiment, je me suis tapé une barre énorme. Ah oui, d'accord, ok. Alors, qu'est-ce que c'est? Tu prends une chanson, donc c'est une anglaise qui fait ça, elle prend une chanson dans sa langue, elle utilise Google Traduction, c'est important, c'est Google Traduction qu'elle utilise, elle traduit la chanson entièrement. Ouais. Puis elle a retraduit dans sa langue. Et ensuite, elle chante avec l'air de la musique et tout ça, hein, tout normal, mais ce qu'on lui a retraduit. D'accord. Non, non, alors... mais Lou, tout le monde sait que tu n'es pas innocente. Et ça a l'air de... Ça passe? C'est génial comme concept. C'est... Ça te donne des trucs totalement loufoques. Hein. Pour le roi... enfin, pour le royaume, la chanson d'Oscar, au bout d'un moment... Il parle d'un bateau. À aucun moment dans la chanson originale, t'as le mot bateau. Bah non. Non mais bien, voilà. Je pense. Non mais c'est pour dire. Oui, y a quoi oui. Autrement. Ah oui. Alors, la Reine des Neiges. Les trois chansons que j'ai entendues sur la Reine des Neiges, elles sont magiques toutes parce que ça part dans des délires incroyables. Je suis content d'avoir une base en anglais parce que je comprends la plupart des vannes pour le coup. Vu qu'elle est sous-titrée en anglais. Enfin.
Mais putain, mais c'est n'importe quoi, c'est génial comme concept. On a enfin un survivant avec nous au fait. Hein. Je vous propose de valider avant qu'il se barre. Il y a le palouette ce soir. Et pour la chanson du de Scar aussi, dans la chanson originale, il dit aux hyènes qu'elles n'auront plus jamais faim. Et vous n'aurez plus jamais faim. Ouais. Longue vie au roi. Longue vie au roi. Et ben dans la retraduction, vous aurez toujours faim. C'est juste parfait. Quand j'ai lu ça, j'ai fait oh non. Comment réussir à traduire l'extrême opposé de ce qu'il dit? Je t'enverrai le lien de la chaîne si tu veux. C'est énorme. Moi, je me suis éclaté et j'ai pas fini de m'éclater en allant écouter ses chansons. Parce qu'elle a une belle voix et le pire, c'est que parfois, tu as une grande phrase qui est retraduite par seulement un mot. Mmh. Et parfois tu as un mot qui est retraduit par une phrase de fou. Alors tu la vois, elle chante à une vitesse pour pouvoir rester dans le rythme. Elle chante dans le rythme normal, puis d'un coup t'as un putain de texte qui apparaît. Tu la vois chanter comme une dingue. Oh putain. Bon du coup Scorp, tu m'as pas répondu. Une partie, deux parties, trois parties, toute la soirée sur DPD, un peu de Gmod, non peut-être, oui. Break s'achève, vous voulez changer? Ok, alors sur mon bureau, j'ai un certain nombre de mangas. Combien j'en ai? Je sais pas, 5. 3. Oh, damned, la nouvelle map. Ah, c'est ça? C'est marrant. Sérieux? Ah, génial, la nouvelle map. Ouais, je suis content de jouer dessus. Oh, putain. Ouais, je suis perdu là. C'est la joie. Je suis heureux de jouer sur la nouvelle map, moi. Attends, mais t'imagines si on a sombri? Déjà que c'est sombre. Non, Doc. Ouvre les yeux, dans les maisons. Plaît. Ah, je le vois. Ouais, je le vois aussi. Et c'est le nouveau. Non, mais tu Doc? Oui. En bas à droite de ton écran. T'inquiète, j'ai vu Scorp. Mais lâche-moi, putain. Eh bien... Ça va être dur contre le moteur. Eh bien, je ne joue plus pour ce soir, je quitte le jeu. Bon bah soit on ira sur Gmod après du coup. Putain, mais il va me lâcher, oui. Où sont les moteurs? Je crois qu'il sait pas jouer le nouveau tueur. Je cherche, je ne trouve rien. Cherche dans les maisons. Que je fais? Sinon tu trouveras jamais rien. Ah! Oui, c'est vrai. Oula. Il parle aussi de taxi dans la chanson. Ah non, il trouve rien. Bordel, mais... Lâche-moi! Merci. Merci à celui qui a activé le moteur. Il m'a enfin lâché. Pas moi. C'est putain, pas j'en pouvais je plus, moi. Punaise, j'entends quelqu'un sur un moteur ici. Je peux pas passer les haies, là? Non. Ah, ok, c'est bon, il y a un truc là. Eh merde, je dois faire le tour de la haie. Ah, c'est toi en plus. Ça veut dire qu'il est pas loin. Mais non, je l'ai perdu tout à l'heure. Putain, il est où maintenant ce compte tueur? Allez savoir. Putain, vive mes téléportations là.
Oh, il arrive vers toi. Comment ça, il arrive vers moi? Il remonte vers nous, enfin là où on était au moteur. Ah bah normal, faut bien qu'il commence à... La grande ruelle, elle s'étend quand même sur toute la map. Hein. Toi qui m'as vu. C'est bien, il y a un buisson plus gros que moi. Je peux me cacher. Il y a pas une... Non? Non, il y en a pas, ok. Alors les persos et la map sont intégrés au jeu avec le DLC Halloween. Donc maintenant tu croiseras le tueur dans les parties normales, et la map aussi. Moi j'ai trouvé la cave. C'est juste si tu veux les jouer qu'il faut payer. Après je sais pas, je pense pas qu'ils vont le retirer, ce serait pas cohérent. Oh là là. Il est dans le coin. Proche des joueurs, j'ai peur. Ah, il va vers le moteur, je le vois de loin. Ouais, il est avec moi là. Par contre, les moteurs, ils sont chauds à trouver. Hein. J'en ai un. Dans la rue. Le maître est touché. Damned, je l'ai traversé le mec. Ah merde, je suis dans la maison. Ah, je viens de te voir passer avec le tueur. Attention, dans cette maison il y a la cave. Bah normal, c'est sa maison. Je crois qu'il poursuit, il en a rien à fiche de moi. Ah non. Il a changé d'avis visiblement. Oui. Au secours! Je ne veux pas mourir, je suis trop jeune! Et je peux pas passer les rambardes! Oh, je me téléporte! Je me téléporte! Aïe! Le corps est touché! Oh, dur! Tu cours vers moi, évidemment. Non, c'est bon, il est reparti. Il est reparti? Ouais. Derrière toi, derrière toi, derrière toi, derrière toi. Ah ok, d'accord. Il te suit toujours, en fait. Oui, il me suit toujours. Non, pas moi. Ah bordel, il est là. Je veux bien du soin. Bon, du coup c'est un tueur qui sait pas jouer le nouveau tueur, c'est dommage. Sinon il m'aurait fait stresser un peu plus. Il est toujours après toi? Il me court toujours. Oh non, je me téléporte. Doc, je peux vous rejoindre? Bah en fait c'est la dernière partie qu'on fait, à nous après je vais partir sur Garry's Mod. Ah d'accord, ok, tu nous le ramènes dessus, tu dis rien toi. Je veux pas mourir. Mais j'en ai rien à foutre que tu veuilles pas mourir. Il en a après toi. Hein.
Mais poussez-vous. Heureux Sacha. Bordel, mais il va arrêter de rôder dans le coin là. Qui me cherche depuis tout à l'heure. Ah bah c'est bon. Ah il me voit. Il t'a vu? Non, il poursuit l'autre. Ça y est. Bah c'est bon, hein, j'ouvre la porte moi. Porte de droit. J'en sais rien, réellement. Ok, réel. Droite ou gauche? Bah t'es là, je te vois. Vie sauvé, maître. Oui, Igor est content. Attends. Après tout, il est déjà 23h20, je fais même plus de DBD que ce qui était prévu. Ah ouais? Bah c'est la map d'Halloween à Team. Non, je fais un rituel d'invocation. Non. C'est raté. Ton rituel n'a rien invoqué. Tu as fait un échec critique. Oh, 19 000. Ça marche, Tanou. Pourquoi j'ai 19 000 hein. Rituel journalier. Oui, bon. Ah, tiens, une compétence survivante unique. Connaissance botanique 3, yes. Bon, du coup, Scorp, t'es toujours là? Mais du coup, Xerxes, je vais te move vu que je ne pense pas que tu vas faire du charisme avec nous. Non, de toute façon, je l'ai pas. Voilà. Donc, bah, bonne soirée à toi, Xerxes. Bonne soirée.